qu'en Afrique. A little bit old, that shark's a couple of months old, and if you want to really see something that's sad, take a look at what happened. Tentative d'assassinat sur Donald Trump lors d'un rassemblement à Butler. Un choc pour la nation et le monde. Salutations et bienvenue à Africa Flash. Astérisque, astérisque. Cet épisode plonge dans un événement profondément troublant qui s'est récemment déroulé aux États-Unis. Il y a seulement quelques heures, une fusillade tragique a eu lieu à Butler, en Pennsylvanie, provoquant une onde de choc à travers l'Amérique et résonnant à l'échelle mondiale. Cet incident marque un autre chapitre effrayant de l'histoire américaine, soulignant les temps turbulents et incertains que nous vivons aujourd'hui. Bien que cette nouvelle puisse sembler sans lien avec l'Afrique, il est essentiel d'en discuter, car elle reflète la violence et l'instabilité souvent observées dans diverses nations africaines. La survenue de telles fusillades ou assassinats aux États-Unis met en lumière une sombre réalité qui résonne dans le monde entier, établissant des parallèles avec les conflits et les défis de sécurité rencontrés dans différentes parties de l'Afrique. En examinant cet événement, nous pouvons mieux comprendre la nature universelle de la violence et la nécessité d'efforts globaux pour aborder et atténuer de telles tragédies où qu'elles se produisent. Rejoignez-nous alors que nous explorons les implications de cet incident et sa signification plus large. La gravité de cette fusillade ne peut être sous-estimée. Elle représente un chapitre difficile pour les États-Unis et pour la communauté mondiale entière. Nous nous retrouvons à nous poser des questions et à nous inquiéter de ce qui nous attend après une telle violence. En essayant de comprendre cette tragédie, nos pensées et nos prières accompagnent le président Donald Trump et le peuple américain. C'est indéniablement un moment difficile dans l'histoire américaine, empreint de douleur et d'incertitude. À la suite de cet incident, il y aura sans aucun doute une série de spéculations et de discussions sur les circonstances entourant la fusillade. Les gens politiseront l'événement et divers récits émergeront pour expliquer ce qui s'est passé. Parmi les personnes touchées, il y a le président Donald Trump qui, avec bien d'autres, sera au centre de CS Conversation. Lors d'un rassemblement à Butler, en Pennsylvanie, Donald Trump a été emmené de la scène
après que des coups de feu ont été entendus. L'ancien président, l'oreille couverte de sang, a été rapidement retiré par les agents du Secret Service qui l'ont plaqué au sol alors que des cris résonnaient dans la foule. Le rassemblement, auquel assistaient des milliers de personnes, a sombré dans le chaos alors que les agents cherchaient la menace. Les responsables de l'application de la loi ont confirmé que la fusillade était une tentative d'assassinat sur Trump. Le tireur présumé a été tué par les agents du Secret Service et un procureur local a rapporté qu'au moins un participant au rassemblement était également décédé. On ne sait pas encore si Trump a été touché par des tirs ou blessé lors des manœuvres de protection. Le porte-parole de Trump, Stephen Chung, a publié une déclaration remerciant les forces de l'ordre et les premiers intervenants pour leur action rapide. Il a confirmé que Trump allait bien et qu'il était en cours de vérification dans un établissement médical local. Le Secret Service a également affirmé que l'ancien président était en sécurité. Plus tard, Donald Trump Jr. a rassuré le public en disant que son père était de très bonne humeur après lui avoir parlé au téléphone. Le président Joe Biden, opposant de Trump lors de la prochaine élection présidentielle, a condamné la violence en des termes forts, la qualifiant de « malade ». Il a souligné que de tels actes n'ont pas leur place en Amérique. L'incident, survenant à seulement 4 mois des élections présidentielles et quelques jours avant que Trump ne soit officiellement nommé candidat républicain, a intensifié l'atmosphère politique déjà tendue dans le pays. Le tireur, qui n'était pas un participant au rassemblement, a été engagé et tué par les membres de l'équipe de contre-attaque du Secret Service. Cette unité tactique, lourdement armée et formée pour affronter les menaces actives, a assuré la sécurité de Trump, tandis que d'autres agents se concentraient sur son évacuation. Alors que Trump parlait, un bruit de détonation a été entendu, incitant l'ancien président à saisir son oreille et à se baisser. Les agents l'ont immédiatement protégé de leur corps, conformément à leur protocole de formation. Plusieurs coups de feu ont été tirés, provoquant la panique parmi la foule. Malgré le chaos, le cortège de Trump a rapidement quitté le lieu, et des images vidéo le montrent levant le poing en direction de la foule avant d'être placé dans un véhicule. Les journalistes couvrant le rassemblement ont décrit avoir entendu 5 ou 6 coups de feu, qui semblaient d'abord être des pétards ou une voiture pétaradante. La panique s'est installée lorsque les gens ont réalisé la gravité de la situation. Les participants, dont 2 pompiers de Steubenville, dans l'Ohio, ont aidé les blessés apparents. Les agents du Secret Service et les tireurs d'élite de la police ont rapidement sécurisé la zone, la déclarant scène de crime active. Les témoins ont raconté que les balles avaient touché des structures, y compris une tour de haut-parleurs, et ont décrit le chaos qui a suivi. L'attaque a perturbé le rassemblement, qui était le dernier de Trump, avant la Convention nationale républicaine. Les mesures de protection prises par le Secret Service, y compris plaquer Trump et le couvrir, ont été cruciales pour assurer sa sécurité. La tentative de meurtre sur Trump est la première tentative d'assassinat sur un candidat à la présidence depuis que Ronald Reagan a été abattu en 1981. Cet incident a ravivé les souvenirs des violences politiques passées, telles que l'assassinat de Robert F. Kennedy en 1968 et la fusillade de George Wallace en 1972. Ces événements soulignent les menaces persistantes auxquelles sont confrontées les personnalités politiques et l'importance cruciale de leur protection. À la suite de la fusillade, la campagne de Biden a suspendu tous les messages aux partisans et a commencé à retirer les publicités télévisées. Donald Trump Jr. a publié une photo de son père, ensanglanté mais défiant, avec la légende « Il ne cessera jamais de se battre pour sauver l'Amérique ». Des déclarations de préoccupation et de soutien pour Trump ont afflué de la part de figures politiques, y compris celle figurant sur sa liste restreinte pour la vice-présidence. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a souligné que la violence visant un leader politique est inacceptable et a promis de veiller à la sécurité de tous les citoyens. L'incident a non seulement secoué le paysage politique, mais a également mis en lumière
les défis constants pour assurer la sécurité des personnalités publiques dans un environnement profondément polarisé. La tentative d'assassinat sur Donald Trump à Butler, en Pennsylvanie, est un rappel frappant de la volatilité et des dangers inhérents au climat politique actuel. Alors que la nation est aux prises avec cet événement choquant, il est impératif de réfléchir aux implications plus larges et à la nécessité d'unité et de résilience face à de telles menaces. Rejoignez-nous alors que nous continuons à suivre cette histoire en développement et son impact sur le paysage politique.